Découvrez le résumé détaillé de Plus belle, la vie en avance, épisode 4487 du mardi 1er mars 2022 diffusé sur France 3. Rocha en plein doute après avoir appris la vérité sur Malika, Delphine et Franck aménagent ensemble, Blanche se retrouve seule avec Noé. Rocha pardonne Malika pour ses mensonges. Manon peut prendre dans les bras Rémi devant Babette et Patrick Alaz. L'émotion est au rendez-vous. Rémi va pouvoir rentrer à la maison d'ici à quelques jours. Mousse et Nathan viennent parler à Malika des articles de la PQR, en lui parlant de ses anciens maris morts d'une crise cardiaque. Malika dit qu'elle a eu deux non-lieux. Sabrina vient parler du passé de Malika à Rocha, mais ce dernier prend le parti de Malika. Rocha dit à Sabrina qu'on dirait que ce bonheur le dérange. Sabrina dit à Rocha que Malika en veut à son argent et qu'elle est dangereuse. Franck a fait ses valises et laisse Blanche seule à l'appartement pour aménager avec Delphine. Noé voit que sa mère Blanche est triste, il la réconforte. Blanche va passer la soirée seule, Noé sort avec Lola. Delphine et Franck ont prévu une crémaillère demain soir. Delphine est déçue que ses enfants ne soient pas là, pas de réponse de Théo, tandis qu'Antoine s'éclate aux USA avec son père. Delphine a commandé en double le buffet dont celui de Barbara pour la fête. Malika vient voir Rocha dans son bureau. Elle confirme qu'elle a été mariée deux fois, elle ne lui a rien dit, car elle ne voulait pas qu'il la rejette. Malika dit qu'elle n'a rien hérité de ses hommes. Rocha est en proie au doute. Malika dit à Rocha qu'elle va le laisser, car il mérite mieux. Boé dit à Léa qu'il a pris en flat Patrick, qui fouillait dans son ordi sur le gang Rousseau. Blanche demande à Rocha comment va le repaxer. Rocha lui répond qu'il se sent vieux. Rocha pense ne pas être sorti du déni, il ne sait plus quoi penser de Malika. Rocha ne sait pas s'il a aimé Malika ou s'il a aimé l'idée du couple. Il avoue que la solitude est cruelle. Delphine dit à Vidal qu'elle a l'impression que son traitement est moins efficace qu'avant, mais elle se sent angoissée et spie. Romain Vidal explique à Delphine qu'elle est juste heureuse, le fait d'être amoureuse, et que sa soirée réciproque la met dans cet état. Rocha laisse un message à César pour savoir comment il va. Il pense que sa vie doit être trépidante au Canada, car il ne lui répond jamais. Rocha dit à César qu'il lui manque beaucoup. Il lui demande de lui faire signe, car il en a besoin. Rocha dit à César qu'il avait raison, l'amour ça fait souffrir. Rocha a appelé Malika, elle le rejoint au lycée. Rocha lui parle de César, son neveu qui a des grandes qualités de cœur et qui est un vrai romantique. Rocha dit à Malika d'avoir douté d'elle, il lui dit qu'elle est pardonnée. Malika redonne du magnésium à Rocha, car elle trouve que son cœur bat trop vite.